Donc l'outil pinceau, on va parler de l'outil pinceau. Vous pouvez prendre n'importe quel document Word, n'importe quel document Excel. Je vais prendre deux documents vierges personnellement. Vous pouvez prendre d'autres documents, ça n'a pas d'importance. L'outil pinceau, c'est un petit outil qu'on retrouve sur la plupart des applications bureautiques, peu importe la marque, LibreOffice, OpenOffice, Google Sheets, quasiment tous ont un outil pinceau. Alors, on va faire le petit essai sur Word déjà. Je me mets sur un document Word fraîchement créé. Vous pouvez prendre un document Word existant, ça n'a pas d'importance. Je vais générer un petit peu de texte aléatoire. J'écris est égal à lorem 4,5 par exemple. Hop, ça y est, ça m'a généré 4 paragraphes de 5 phrases chacun. Alors, parfois, quand on fait des documents, alors je sais pas, je vais mettre, tiens, je vais mettre un titre ici. Je sais pas, je vais dire ici, ça va être. Le gâteau au chocolat, et ici, alors je vais mettre un peu par ici. J'ai appuyé sur Entrée, puis j'ai marqué effectivement la quiche Lorraine ou Wish Lorraine. Dans certaines régions, on dit Wish Lorraine aussi parfois. Et puis, tiens, je vais mettre là encore. Et puis, je vais mettre qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre là, je ne sais pas moi, les lentilles. Lentilles nature, voilà. C'est excellent. Parfait. Si vous avez généré votre texte pour marquer un titre au-dessus, je me mets juste avant le L là, de mon premier lorem, j'appuie sur Entrée. Ça va créer un nouveau paragraphe et un petit espacement au-dessus où je pourrais marquer voilà, mon gâteau au chocolat. Alors voilà, donc vous voulez mettre un petit peu en forme là, votre livre de recettes. Alors je sais pas, vous vous dites, bon bah tiens, mes titres, j'aimerais qu'ils soient en impact, ou je sais pas, vous prenez une police qui vous plaît, tiens, je vais prendre Baos par exemple, en 16, avec en couleur bleue, ouais, voilà, on peut mettre des effets, enfin bref, on peut faire différentes choses. Essayez de trouver voilà, une petite quelque chose qui vous plaise au niveau de la mise en forme là, de votre police. Enfin, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez refaire la même chose après, alors il faut que vous alliez là, vous disiez, bon, attends, qu'est-ce que j'avais pris déjà comme police? Alors, il faut que je revienne là, je surligne mon truc. Ok, c'était Bodoni, c'était 16, c'était bleu. Alors, je reviens là, alors j'ai cherché ma police. Hop, alors, par chance, il est dans les polices récemment utilisées. Après, il faut que je prenne la taille, c'était 16, c'était 13, c'était combien déjà? Je crois que c'était 18. Bleu, c'était quel bleu que j'ai utilisé? C'était celui-là, c'était celui-là. Ça vous prend assez longtemps, et puis bah, vous allez sans doute faire des erreurs. Au bout d'un moment, vous n'allez pas prendre exactement le même bleu, vous n'allez pas prendre exactement la même taille. On peut faire des petites erreurs. Alors, pour éviter ça, on verra donc les styles, la manière ultime de travailler donc avec Word, mais on peut aussi travailler donc au début avec le pinceau. Regardez ce que je vais faire. Je vais surligner donc là la présentation qui me plaisait bien au début. Je vais mettre un petit coup de pinceau. Ça y est, le pinceau est actif. Et maintenant, regardez ce qui se passe si je surligne la quiche Lorraine. Hop, ça y est, la quiche Lorraine prend exactement la même mise en forme que l'autre. Je vais refaire encore une fois avec les lentilles. Hop, effectivement, donc ça fonctionne parfaitement et c'est une sorte de copier-coller un peu spécial. Ça va coller uniquement le format. Cet outil pinceau, il est quand même assez pratique. Donc, je sélectionne ma source, donc ce dont je suis content, un petit coup de pinceau et je clique sur la destination pour appliquer le pinceau. Alors sur Excel, le principe est le même. On retrouve le même principe hein, sur PowerPoint, c'est très similaire. Sur Excel, c'est le même principe également. Vous êtes sur n'importe quel fichier Excel, hein, vous avez tapé quelque chose, je sais pas, on va voir Toto, on va voir Tata, on va voir Tutu, on va voir Titi par exemple. Hein. Si je choisis donc une mise en forme Toto, je sais pas, je vais lui prendre une police. De type voilà, éléphant par exemple en taille 18
avec une espèce de vert comme ça, et puis un fond jaune. Je suis très satisfait de ce que j'ai fait, je trouve ça très joli. Bah, au lieu de m'embêter pendant 15 heures à refaire la même chose, je vais sur la cellule qui me plaît. Je mets un coup de pinceau, là on voit que ma cellule clignote. Je sélectionne les autres cellules. Et patatras, ça y est, c'est fait. Sur Excel, mais j'irai un peu plus loin, ça reproduit le format de cellule. Le format de cellule, c'est une notion qui est assez vaste. Ça regroupe différentes choses. Donc voilà, le type de données, l'alignement, la police, la bordure, le remplissage, la protection. Bref, c'est une notion qui est un petit peu plus complexe. Retenez simplement que l'outil pinceau sur Excel également va reproduire la mise en forme, donc le format de cellule, plus exactement. Ouais, c'est ce qu'on vient de démontrer hein, en faisant ça. Hein, alors, je l'ai fait de manière horizontale, ça marche aussi d'un point de vue vertical. Ici, on peut glisser hein, tout à fait un hein, jet sur la première cellule. Si je sélectionne toutes les autres cellules comme ça marche aussi. Hein, ou alors, dans un sens, dans l'autre, comme on veut, ça reproduit la mise en forme. Voilà pour cette petite outil de pinceau qui est commun à la quasi-totalité des logiciels de bureautique qu'on peut retrouver un petit peu partout.